Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous clôturons en ce vendredi matin avec notre message « Aimez les autres comme Jésus ». Point numéro 4, nous devons croire aux autres, comme Jésus croit en nous. Bien-aimés, nous avons tous des insécurités. Des études montrent que plus vous étiez exposé au rejet lorsque vous étiez jeune, plus cela a un impact sérieux sur votre vie. Alors comment inverser la malédiction? En croyant ce que Jésus dit de nous, au lieu de ce que les autres disent de nous. La Bible décrit le genre d'amour persistant que nous devrions avoir pour les autres. Cet amour construit les gens plutôt que de les détruire. Bien-aimé, si vous aimez quelqu'un, vous lui serez fidèle, peu importe le coût. Vous croirez toujours en eux. Attendez toujours le meilleur d'eux et toujours tenir bon en les défendant. 1 Corinthiens 13, 7. Le célèbre chapitre de l'amour. C'est exactement ce que Jésus fait pour nous. Quand il nous regarde, il ne nous voit pas pour qui nous sommes. Il nous voit pour ce que nous pourrions devenir. Il voit notre croissance. Jésus nous dit constamment qu'il croit en nous. Des versets bibliques comme Matthieu 17:20, Marc 9:23 et Matthieu 21:21 nous stimulent et nous motivent toujours à croire. Veuillez lire attentivement ces versets. La Bible est claire, Dieu prend plaisir de nous. Au lieu de nous étiqueter, il fait sortir le meilleur en nous disant qui nous sommes en lui. Puis, il nous demande de faire de même. Voyons comment nous pouvons nous aimer les uns les autres en manifestant de l'amour et les bonnes actions. Hébreux 10, 24. Dieu nous bénisse tous, bien-aimés, et nous permette d'aimer les autres comme Jésus nous a aimés. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme à l'église ce dimanche. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Je vous envoie à tous un saint baiser au nom de Jésus. À lundi, au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.